Avant l'ENAC, j'ai passé un bac scientifique dans le lycée Sud des Landes à Tyros. Ensuite, je suis partie en prépa à Bordeaux, prépa donc maths sup maths spé, pour rejoindre ensuite l'ENAC à Toulouse. Et donc à l'ENAC, en première année, on a une formation plutôt généraliste. On se spécialise en deuxième année, donc moi j'ai pris la spécialisation SAT donc. En troisième année, je me suis encore spécialisée en système radiofréquence. Je suis en double diplôme à Audencia, donc je suis en développement commercial. J'aimerais bien m'orienter vers un métier qui relie ma double compétence, donc tant technique que j'ai acquérée à l'ENAC, donc en télécom, et aussi en développement commercial, donc développer des projets, vendre un projet. Donc ça, les deux vont bien se combiner et c'est ce que j'aimerais faire plus tard. Donc moi j'ai aussi mon père et mon grand-père qui étaient chez Dassault Aviation, qui travaillent dans l'aéro, donc j'ai été baignée là-dedans depuis que je suis toute petite. C'est après, au cours de mes études, au fur et à mesure que j'ai découvert différentes spécialités, c'est comme ça que j'ai pu m'orienter. Voilà, c'était pas forcément une vocation de travailler dans les télécoms, mais c'est en arrivant sur le terrain, quand on étudie, qu'on s'intéresse et qu'on découvre nos nouvelles envies. C'est le terrain où je joue au rugby, donc c'est une passion que j'ai découvert quand je suis arrivée à l'ENAC. Donc il y a l'équipe qui s'appelle le 7 ENAC, donc on peut faire plein de sports ici à l'ENAC. Donc il y a un grand terrain magnifique sur lequel on peut faire donc foot, rugby. Et donc moi j'ai choisi de jouer au rugby, c'est pas commode pour une fille, mais encore une fois on peut casser les clichés. Donc le rugby c'était un sport génial. Donc moi j'ai fait mon séjour international en Afrique du Sud. Donc j'ai reçu une bourse du GIFAS qui m'a permis de faire ce voyage. Alors l'Afrique du Sud c'est quand même une culture totalement différente de la France. Donc dans un premier temps tout simplement de passer 3 mois en immersion, j'ai progressé en anglais. Donc ça on en a besoin dans l'aéro, c'est quand même demandé l'anglais. Aussi au niveau historique, c'est un pays qui a été marqué donc, par l'apartheid, donc il y a beaucoup de musées et de choses très intéressantes à voir. Et puis aller à la découverte des Sud-Africains, discuter avec eux, c'était très intéressant et ça change de la France ou des pays occidentaux. La bourse, ça permet tout simplement de pouvoir partir plus loin parce que l'Afrique du Sud, c'est une destination lointaine, ça demande de l'argent. C'est aussi sur une période assez longue, 3 mois, il y a besoin de finances. Donc c'est un énorme coup de pouce. Ça permet aussi de pouvoir mieux apprécier l'expérience puisque, par exemple, en Afrique du Sud, il y a quand même de grandes distances à parcourir. Donc il y a besoin, par exemple, de louer une voiture, donc ce que j'aurais pas pu faire sans la bourse. Donc ça permet, par exemple, toutes les activités culturelles que j'ai pu faire, aller à la découverte de la biodiversité, de musées, je me le serais pas permis sans avoir cette bourse. Donc c'était quand même un énorme coup de pouce.